Henri, le bal et son complice. Thierry, je ne vais pas laisser. Bécouarne, hein, je ne vais pas écorcher, ont sorti leur pied de biche voilà, et, pour soulever des volets au Vandame. Et on fait ce livre à quatre, à deux mains et à deux yeux. Donc, dans le cadre du Salon du Livre de Ouessant, on a choisi de lire essentiellement les passages concernant Ouessant. L'ensemble du texte est conçu comme un monologue mis en scène. Et avec mon vieux complice Thierry Bécouarne, on a travaillé un certain nombre de scènes par lequel le texte passe, de telle sorte qu'à la fin, on ne sache plus très bien si c'est la photo qui conduit le texte ou si c'est le texte qui a demandé telle ou telle mise en scène particulière. La masure, voilà, elle dit ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire nous sommes les enfants du divorce de la philosophie, pour ne pas dire de la théologie, et de la poésie. Les images défilaient, fragments de paysages guingois, en se torrent pour canoë-kayak, donc, radeaux de jonques aux lattes disjointes, lorsque, à la pointe d'un cul de sac, s'éleva devant moi ce mur, falaise de portes closes, en mélèze, ou d'un autre bois rose. Ainsi, ange, nous avançons à présent tous les deux vers cette porte qui s'ouvrira à ton nom. Où trouver ton nom, ange, sinon dans les hauteurs d'ailleurs? C'est ici que Teki, autant qu'il s'en souvienne, a dû, oh hardiesse, sculpter les ciels, se pamoiser dans les azurs, aux pensées pantoisées. Ne te vois, bien sûr, comment entendre ton nom ou lire ton murmure? Et dans le silence, en vis-à-vis, Teki ne voyait que masse et coloris, et ses métamorphoses. Dans cette chute, est-ce bien à Teki, ange, ange délicat, que tu murmures? Le sourire est-il un sourire? Ange, ange qui te tais, d'où viennent les mots? Où s'en vont-ils? Qu'il n'a sous les yeux que des images, mirages de ses propres mots. Que ce qu'il a fait des mots avant de venir à toi, ange. Le monde de Teki, quand Teki n'entend plus, ne t'entend plus lui traduire le monde. Qu'y a-t-il en lui? Qu'y a-t-il en ton nom qui serait en toutes les langues d'aujourd'hui le secret des langues